Salut Salut tout le monde! Coucou tout le monde! Bonjour, on espère que ça va. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler vintage. On est contente de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en direct. Ouais, ça nous fait plaisir de reprendre les lives. Bienvenue Salut à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. On va vous laisser entrer dans le live. Juste quelques minutes, le temps que tout le monde puisse arriver. Bon, on espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. En tout cas, nous, on est contentes d'être avec vous aujourd'hui pour ce live spécial vintage. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits soucis au niveau de la visibilité, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et comme ça, on va commencer tout de suite. Voilà, donc on contrôle. Ouais, donc là, contrôle, c'est fait. Apparemment, vous nous entendez bien. Bon, ben, n'hésitez pas à nous mettre vos petits commentaires, à nous dire si vous êtes là, à liker, à partager. En tout cas, nous, on est super contentes de se retrouver pour ce live. Tout est OK, les écrans de contrôle. Donc, un live qui va être un live spécial vintage. Comment choper du vintage en ligne comme une pro? Donc, on a hâte de commencer ce sujet avec vous. La semaine dernière, on s'était vu, enfin, il y a à peu près 15 jours, on s'était vu pour parler vintage. Le sujet, c'était comment être tendance en portant du vintage. Et là, donc, on va enchaîner dans cette continuité. Et là, on va vous donner tous nos conseils pour choper du vintage en ligne comme une pro. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un petit cadeau. Donc, on avait envie de vous partager notre jeu concours. Donc là, c'est une info exclusive parce que notre jeu concours, il commencera dès demain pour se terminer le samedi 7 août. Donc, en fait, un jeu concours avec 3 lots à gagner. Donc, on va vous montrer ce petit lot. Donc, le premier lot en exclu, il y aura ce petit sac vintage, double matière, andin et en cuir. Un sac super sympa. Un joli sac d'une valeur de 45 euros. Donc ça va être notre lot numéro 1. En lot numéro 2, vous aurez ce petit porte-monnaie en python véritable. Donc un petit porte-monnaie ultra sympa. Donc, ça sera le lot numéro 2 d'une valeur de 35 euros. Voilà, 35 euros. Et notre dernier petit lot, donc là, ce sera une magnifique broche. Voilà, une magnifique broche, voilà celle-ci. Je vais vous la... Que vous pourrez aussi remporter. Donc, ça, c'est notre lot numéro 3. Et celui-ci, il est d'une valeur de 25 euros. Donc, comme on vous l'a dit, c'est une petite exclue pour vous. Donc, si vous avez envie de participer à notre jeu concours, eh bien, on va poster toutes les informations dès samedi sur notre compte Instagram. Et donc, le jeu concours, lui, il commence du 31 juillet, samedi 31 juillet, et il se terminera au matin le samedi 7 août. Et si vous souhaitez participer à ce jeu concours, eh bien, c'est tout simple. On va vous donner les modalités pour participer. Donc, alors, je vais partager mon écran. Ah, super. Ce sera plus simple. Vous allez pouvoir voir tout ça affiché à l'écran. Voilà. Donc là, il y a une petite erreur. Ce n'est pas le 4 août, mais c'est le 7 août. Donc, TFT Vintage Shop, on vous offre 3 lots à gagner. Donc, pour participer, ben, c'est tout simple. Vous likez la photo. Vous vous abonnez à nos deux comptes. Donc, @ de Fashion Trusty et TFT Vintage Shop. Vous commentez la publication en taguant 2 amis. Et si vous avez envie de doubler vos chances de gagner, eh bien, vous pouvez aussi partager en story le post. Et le gagnant, il sera...
tiré au sort le samedi 7 août à 14h. Et on le préviendra par message privé. Voilà, ça, c'était l'exclu en live. Donc, on espère que vous êtes super contents. Donc, nous, ça nous fait plaisir de faire. Bah, c'est notre premier jeu concours. Et on a hâte voilà, que ce jeu concours commence et que vous puissiez gagner ces fameux lots. Donc, le sac, le porte-monnaie et la broche. Donc, ça, c'est super. Donc, en tout cas, on est contente de vous offrir ces petits lots. Et on va aussi continuer avec une info en exclu. Une info exclusive. Donc, il n'y a que des infos exclusives juste pour vous. Il n'y a que des infos. Donc, je vais aussi partager mon écran parce que j'ai fait des petits slides. Ouais. On a essayé de faire ça bien. Très pro. Donc, normalement, c'est celui-là. Voilà. Donc, info exclusive. Donc, The Fashion Trustee, voilà, le syndicat de la mode. Donc, on a créé spécialement pour vous les emails secrets de Nadine et Nadège. En fait, c'est un, on va dire que c'est un petit groupe. C'est, on a créé ça pour créer une petite communauté. Donc, c'est le fait de vous abonner à la mailing list. Donc, vous rejoignez le syndicat. Et vous aurez des offres, on va dire, enfin vous aurez des articles et des vidéos, des fashion news, voilà, tout ce qui est exclu, ça sera vraiment dans les emails secrets de Nadine et Nadège. Donc oui, en vous abonnant à cette newsletter, eh bien, vous aurez du contenu exclusif. Donc toutes nos nouveautés, articles, vidéos, fashion news, du conseil en style, toutes les actus, vous les aurez en avant-première. Il y aura aussi des événements comme des lives, des webinaires ou même des formations. Donc à chaque fois, comme si vous vous abonnez à la newsletter, eh bien vous aurez toutes ces informations en exclusivité. Donc c'est, on va dire, une sorte de club. C'est vraiment le club, privilégié où il y a que ces infos-là qu'on communiquera dans ce groupe. Voilà, de tout ce qui est inédit, tout ce qui est exclusif. C'est pas des choses qu'on va publier soit dans notre blog ou soit directement sur la chaîne YouTube. C'est directement dans ce petit groupe, voilà, le petit groupe des élus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette mail, à ce mail secret, voilà, les emails secrets de Nadine et Nadège. On vous mettra le lien dans le chat. Et ben, vous pourrez vous abonner. Donc, n'hésitez pas. Et ben, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet de ce live. Donc, comment choper du vintage en ligne comme une pro? Ben, comme on l'avait dit dans le précédent live, c'est vrai que le vintage se démocratise. Donc, on peut en trouver partout en boutique. Mais ce qui se passe aussi, c'est que on peut le trouver aussi dans les boutiques en ligne. Et dans les boutiques en ligne, ça peut être un peu plus compliqué parce que on n'a pas forcément le vêtement à portée de main. Et donc, du coup, on s'est dit que ça pouvait être sympa de donner quelques astuces pour vous aider à vous repérer justement sur la toile, à vous repérer sur les sites marchands e-commerce de vintage en ligne. Donc, on va vous donner tout de suite nos tips pour vous aider à choper comme une pro. Donc, tous les conseils que de notre expérience, à force de choper régulièrement dans les boutiques, notre œil est un peu aiguisé. Voilà, plus aiguisé. Et on avait envie de partager avec vous tous nos conseils de pro. Et voilà, donc le live d'aujourd'hui, c'est comment choper du vintage en ligne comme une pro. Donc, on va commencer. Donc, tu veux que je te laisse la main? Vas-y, je te laisse. Alors, on partage avec vous nos 5 astuces de pro qui vous aideront à mieux choper vos vêtements vintage en ligne. Voilà, des 5 astuces qui vont vous permettre d'acheter en toute sérénité et dans le confort de votre canapé. Donc, en fait, c'est pour vous éviter les déceptions, voilà, lors de votre shopping en ligne. Donc, il y a quand même quelques trucs à savoir. Donc, mon petit slide. Il est là. Et surtout, c'est vrai que quand on shoppe en ligne, comme disait Nadine, pour éviter les déceptions et surtout le sentiment de l'arnaque. C'est vrai que ce serait dommage d'acheter un article de friperie ou de seconde main,
Mais et en pensant acheter une pièce vintage authentique, donc du coup, ce qu'on va faire, ben voilà, on va tout de suite vous donner toutes ces petites astuces pour être sûr d'acheter des vêtements vintage. Ben, en En un, il faut faire la différence entre le vintage, la fripe et la seconde main. Donc, comme Nana, je vous le disais, c'est savoir ce qu'on achète ouais. pour éviter les déceptions et ressentir ce petit sentiment d'arnaque. Il faut savoir ce qu'on achète. Bon, c'est dommage de penser acheter une pièce vintage authentique alors que vous n'avez acheté que de la friperie ou de la seconde main. Donc, on va vous aider un peu à vous y retrouver pour faire la différence entre le vintage, la friperie et le seconde main. Voilà. Donc, le vêtement vintage, c'est un vêtement qui a plus de 20 ans d'âge. Donc, de ce fait, le vêtement neuf ne peut pas être qualifié de vêtement vintage, tout simplement parce qu'il est neuf. Alors, dans ce cas-là, il sera plus d'inspiration vintage ou il sera de style vintage. Donc, le vêtement vintage, il représente un style de l'époque à laquelle il a été créé il est de bonne, voire de très haute qualité. Donc, c'est vraiment un gage de rareté et d'authenticité. Donc, c'est pour ça que vous ne trouverez que des pièces uniques parce qu'ils ont été faits en petite série dans des petites maisons. Et c'est souvent, voilà, des marques. Vous allez trouver souvent du Dior, du Chanel et autres. Mais c'est fait en petite série. Donc, ce sont des exclusivités. Et en même temps aussi, ce sont des articles qui ont été faits à une certaine époque. Et il y avait un savoir-faire, une qualité et une authenticité qu'on trouve moins aujourd'hui, surtout dans tout. Les grands magasins style Zara, Mango et compagnie. Dans tout ce qui est, oui, fast fashion. Fast fashion. Donc, c'est comme ça que vous allez reconnaître un vêtement vintage. En fait, il correspond à l'époque où il a été créé. Et puis, il est souvent un peu plus cher qu'un vêtement de type friperie. Donc, ce qui m'emmène à enchaîner vers le vêtement de friperie pour faire la différence entre le vintage et la fripe. Donc, un vêtement de fripe, souvent confond vintage et friperie. Donc, le terme friperie, c'est un mot général, un mot un peu fourre-tout qu'on utilise pour qualifier un vêtement ancien. Et donc, le vêtement, en général, le vêtement de type friperie, ils ont plus de 10 ans d'âge et sont souvent moins chers que les vêtements de type vintage. Donc, c'est vraiment l'appellation, on va dire, générale et globale pour qualifier des vêtements qui seraient soit vieux, anciens ou qui ont été en tout cas déjà portés. Et vous avez les vêtements de seconde main. Donc, le vêtement de seconde main, c'est un vêtement qui est actuel. Voilà, dans notre époque, du style Boohoo, Zara ou Mango. Donc, un vêtement qui a déjà été porté ou qui est neuf et qu'on retrouve dans nos magas enfin, dans les magasins de type friperie, les dépôts-ventes ou les vide-dressings. Donc, ça, c'est vraiment bien de faire la distinction entre ces trois catégories de vêtements pour que vous sachiez vraiment bien ce que vous achetez au moment où vous allez justement sur le fameux site internet. Voilà, c'est vraiment important de savoir ce qu'on achète, comme ça, bah, on est sûr. Et le simple fait de savoir différencier les vêtements vintage, les vêtements de friperie et les vêtements de seconde main, bah, on a jugé que c'était vraiment très, très important. Et ce qui nous amène à notre deuxième Deuxième conseil. conseil, nous, on vous conseille de faire attention aux détails et de privilégier les sites avec des photos. Voilà, les sites sur lesquels vous pouvez choper doivent avoir des photos, plusieurs séries Série de de photos qui photos. sont claires et détaillées. Comme ça vous donne une idée de comment est le vêtement, de comment il tombe. Et c'est des photos qui vont voilà, qui vont vous aider à vous rendre compte de l'état et la qualité du vêtement, la qualité de la pièce et savoir comment ça tombe. Et surtout, s'il y a des photos portées, c'est encore Encore mieux. mieux. Alors, ça peut être porté par une personne physique ou alors ça peut être porté par un mannequin. Mais c'est vrai que on arrive mieux à se projeter dans un vêtement quand il est porté. Et Et euh, oui, et surtout une bonne aussi description du vêtement. Ça, c'est absolument essentiel, indispensable pour savoir la longueur, la taille, la mensuration, savoir s'il y a des petits défauts.
que toutes ces petites choses soient précisées dans oui. la description. Ça, c'est vraiment important. Comme ça, justement, pour vous, ça vous aide à savoir ben, si le vêtement, il va être à votre taille. Oui. Avoir le tour de taille du pantalon, avoir la longueur de la jambe. Parce que comme c'est des vêtements qui sont ben, à distance, donc vous pouvez pas vous pourrez pas les toucher. Donc là, les mensurations, la taille, les descriptions… Et les petits défauts, si c'est précisé ou pas, c'est bien de le savoir parce que bon, qui dit vintage, il peut y avoir des petits défauts oui. De l'usure du vêtement. Donc, si c'est des petits défauts qui peuvent vous gêner, donc ça peut être bien quand bah, justement c'est précisé dans la description. Comme ça, quand vous recevez la pièce, vous n'avez, bah, vous évitez justement la petite déception de lui dire ah ben il y a un petit truc là au final, c'était pas noté dans la description. Donc quand tout ça est détaillé, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble, une vue générale en fait du vêtement, de l'état du vêtement. Voilà. Et en trois, en conseil numéro 3, on vous conseille de bien regarder si le site a des avis clients. Parce que les avis clients, c'est hyper important. Et voilà, ils permettent de connaître la preuve sociale du site. Ouais. Ça vous permet de savoir si d'autres ont déjà commandé sur le site. Et surtout, si c'est pas un site un peu bizarre, quand vous voyez qu'il y a une vie sur le site, qu'il y a des clients qui ont commandé, qui ont mis des commentaires. Ouais. Voilà, les avis clients, c'est vraiment important pour bah, pour connaître un peu la vie du site, en fait. Oui, puis ça vous donne aussi confiance oui. au site. Parce que si vous voyez des avis, vous voyez que la page est vide, que ça bouge. Donc là, oui. ça vous donne vraiment confiance et vous dites, ah ouais, quand même, il y a déjà des consommateurs qui sont passés sur la boutique. Donc, ça vous donne déjà encore un peu plus de confiance à ce site et ça vous donnera un peu plus envie d'acheter justement sur ce site. Oui, voilà, c'est évite de tomber sur voilà des sites un petit peu douteux et c'est toujours rassurant voilà d'avoir des avis clients. Ouais. Et nous aussi, ce qu'on regarde aussi par rapport au site en ligne en 4, c'est la politique d'achat et le service client. Ça, c'est super important déjà dans la vie de manière générale. Quand vous allez sur des sites internet pour acheter des vêtements, bah, vérifiez si les retours sont possibles, les retours, les remboursements. Ça, c'est vraiment… Ça, certains sites ne le proposent pas et proposent uniquement soit des avoirs ou des échanges ou alors des fois pas de remboursement. Donc, si les retours sont à votre charge… ou pas, bah c'est bien aussi de le savoir parce que vous pouvez être déçu. Par exemple, vous achetez un vêtement et vous vous rendez compte qu'il ne vous va pas et que quand vous voulez retourner ce vêtement, bah vous voyez que sur le site, ce n'est pas possible. C'est pas, il n'y a pas de politique de retour. Et là, vous vous retrouvez avec un vêtement sur les bras, vous pouvez pas l'échanger ou alors vous avez un avoir, mais vous trouvez rien d'autre dans la boutique qui vous convienne au moment où vous voulez faire l'échange. Donc, parfois, ça peut être source de déception. Voilà, source de déception. Et puis nous, de retour d'expérience, ça nous est arrivé, voilà, de commander des choses pour notre shop et on n'avait pas fait gaffe. On s'est retrouvé avec un lot de vêtements qui nous plaisait pas. Et c'est après coup qu'on est parti sur la politique d'achat et qu'on a vu que bah on pouvait pas, enfin on pouvait retourner les articles, mais à nos frais. Ouais. Sinon, ils nous donnaient un avoir. On pouvait retourner, mais on pouvait avoir juste un avoir après pour recommander sur le site, mais pas se faire rembourser directement. Ouais. Et surtout, voilà, les frais de retour étaient à notre charge. Donc, c'était quand même un gros colis quand même. C'était des achats qu'on avait fait pour la boutique. C'était un gros colis. Et franchement, c'était encore plus galère pour nous de retourner à la poste avec un gros colis et d'aller le faire peser et surtout ça nous allait nous coûter plus cher. Ouais. Donc on a préféré garder les vêtements, on s'est dit bon bah on va peut-être les recycler, en faire leur donner une seconde vie, faire autre chose avec, mais c'est vrai que ça nous a vraiment déçu et on est hyper pointilleuse par rapport à ça. Et aussi vérifier si le service marchand à un service client digne de ce nom. C'est-à-dire, comment vous allez pouvoir contacter le site? Est-ce qu'il y a un chat? Est-ce qu'il y a un SAV? Est-ce qu'il y a une adresse email? Donc, il faut regarder tout ça pour pouvoir contacter le site. Ça, c'est hyper important.
Sinon, bah, c'est compliqué si on peut pas communiquer, si on peut pas communiquer de manière directe avec le site. Ouais. Voilà, c'est compliqué. Oui, donc du coup, vaut mieux être au clair au niveau de ces politiques de retour, parce que vous, peut-être que ça vous dérange pas qu'un site ne vous fasse pas de remboursement, ou ça ne vous dérange pas que le site vous fasse uniquement des avoirs. Donc, le tout, en fait, c'est de connaître tout ça pour que quand vous faites votre achat, bah, vous n'ayez pas de déception bah, lors de votre commande, en fait. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise, tout est OK. Et voilà. Et en fait, ça va dépendre aussi de vos goûts perso, hein, oui. Parce que pour certaines, c'est pas gênant de ne pas avoir de remboursement, d'avoir un avoir. Donc, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, nous, on préfère... Moi, je préfère les remboursements. Ouais. Sincèrement, des fois, ça m'a... Des fois, il y a des sites où je n'ai pas commandé. Ça met un frein. Parce que j'avais pas de politique de retour qui me convenait. Donc, parfois, je ne commandais pas. Parce que avoir, moi, j'aime pas trop les avoir. Ah, nous, on préfère les remboursements. Et après, ça nous gêne pas trop si les retours, ils sont à notre charge, mais au moins, pour moi, on sait. Ça, c'est notre... On sait qu'on peut retourner, donc du coup, voilà. Ça va. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, voilà, comment vous faites les choses. Et surtout, en 5, c'est tester le site. Il y a que comme ça qu'on peut se faire un avis. Voilà, il faut se jeter dans le grand bain. Et le conseil qu'on vous donne vraiment d'essayer de l'appliquer, c'est si vous n'êtes pas sûr, voilà, si vous êtes novice dans le vintage et que vous voulez tester un site marchand, commencez à acheter des petites pièces comme des accessoires, voilà, un foulard, un bijou, un sac. Ça va vous permettre de vous familiariser avec le site et en même temps, ça va vous permettre de faire vos premiers achats vintage en minimisant les risques. Parce que bon, admettons, vous pouvez être déçu. Oui. Mais c'est pas grave. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, c'est juste un petit foulard. C'est juste un petit accessoire. Et c'est pas grave si vous vous trompez. Ça arrive. Mais voilà, essayez de minimiser les risques en achetant des petites pièces. Et là, on va s'adresser aux plus aguerries, celles qui sont plus aventureuses et qui veulent vraiment faire du shopping en ligne et acheter des grosses pièces. Bah, n'hésitez pas à faire parler votre instinct mode et dirigez-vous vers des vestes, des jeans, blazers, des trends, des blazers, voilà, tout ce qui va pouvoir dynamiser votre garde-robe actuelle. Et voilà, et moi, je pense que dès que l'univers, il vous correspond, dès que les produits, ils vous plaisent, bah, c'est top, quoi. Voilà, n'attendez plus. Voilà. Foncez sur le site et commencez votre expérience. Et puis après, si vous êtes satisfait, ben voilà, vous en parlez autour de vous. Et c'est ça qui est super. Voilà, il faut passer à l'action et faites-vous votre propre opinion. Et voilà, comme vous serez en tant que consommatrice, ben, n'hésitez pas à faire part de vos retours avec un commentaire. Ouais. Ça, c'est vraiment bien de laisser des commentaires, parce que qu'ils soient bons ou mauvais, hein, peu importe, laissez un commentaire et faites part de vos expériences, bah, pour aider aussi les personnes. Qui veulent aussi acheter sur le site en question, à se faire un avis, à se faire une idée. Et comme ça, bah, on fait tourner les choses et ça aide, ça vous aide. Et ça aide d'autres personnes. Oui. Et en parlant aussi de pièces à acheter sur les sites marchands, donc nous, on vous a fait une petite liste en deuxième partie pour ce live. On s'est dit que ça serait bien de vous donner des idées de pièces à acheter en ligne. Donc, 8 pièces vintage à choper. Et on va commencer avec la pièce numéro 1. Pour nous, c'est le blazer. Pour nous, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un basique. Donc, c'est une pièce pour laquelle vous pouvez vraiment, moi, à mon sens, choper les yeux fermés. Ça ira forcément avec ce que vous avez dans votre garde-robe, puisque là, on est vraiment sur du basique, sur un grand classique. Donc là, le blazer, c'est vraiment la pièce intemporelle que vous pouvez absolument acheter en vintage en ligne. Hein. Oui, et en plus, c'est des pièces des pièces qui sont intemporelles, des pièces que vous êtes sûr de trouver et que vous pouvez acheter comme ça, les yeux fermés. Mm-hmm. Et alors, attendez,
C'est tout nouveau, là, avec ce petit slide. Oui, on vous a préparé tout ça. Nadine vous a fait des jolis visuels. Bah, c'est toujours bien de se projeter dans quelque chose. Des fois, on parle de pièces et d'autres, donc c'est bien de voir visuellement ce que ça donne. Et là, tout ce qu'on vous montre, voilà, c'est tiré de notre e-shop. Ouais. Donc c'est à propos. Et en deux, on a la fameuse veste en jean. Oui. Voilà, nous, la veste en jean oversize, c'est un classique, c'est un basique. Et c'est des pièces que vous pourrez choper en vintage sans problème. Et vous pourrez, voilà, vous constituer des petits looks sympathiques. Et la pièce en jean, c'est vraiment une valeur sûre. Donc, à ne pas, voilà, à ne pas hésiter à acheter. Et en trois, on a le trench. Alors, c'est vraiment une pièce qu'on aime beaucoup, nous, dans notre vie personnelle, qu'on porte beaucoup. Et c'est surtout aussi une pièce phare que vous allez pouvoir aussi retrouver dans notre boutique ou même dans d'autres boutiques oui, aussi. Oui, ou dans d'autres boutiques. Oui. C'est facile à trouver. C'est vraiment les pièces, la pièce intemporelle. C'est vraiment le basique que vous pourrez mixer avec tout ce que vous avez dans votre garde-robe. Nous, ce qu'on aime, c'est le trench oversize, le prendre un petit peu plus grand pour avoir une dégaine qui rentre pile poil dans l'air du temps. Donc, avec un trench, vous ne pourrez pas vous tromper et vous serez sûr de pouvoir l'associer avec toutes vos pièces dans votre garde-robe actuelle. Et donc, du coup, ça, c'est cool. Et en 4, on a alors la blouse. Oui. Voilà, la blouse, là, je vais préciser, c'est la blouse autrichienne. Et ça, c'est un classique des classiques. C'est une pièce qui est hyper tendance en ce moment. Une belle blouse avec un joli col, avec un joli détail. C'est vraiment la valeur sûre. Et là, cette blouse, elle est particulièrement magnifique. C'est une blouse qui est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est super beau détail. Et c'est ça qu'on aime. Je vais vous le mettre en grand comme ça. Ce qu'on aime vraiment dans le vintage, c'est ces fameux détails dont on vous a parlé. Oui. C'est vraiment des pièces qui s'inscrivent dans une époque particulière. Et en ce moment, la fast fashion essaie de copier. Oui. Parce que ce genre de blouse, on en voit partout un peu dans les boutiques Mango, Zara et compagnie. Mais moi, perso, je préfère avoir les versions originales et acheter une blouse en fripe ou en vintage. Moi, je trouve que c'est plus sympa, c'est plus authentique. Et surtout, c'est des pièces uniques. Voilà, c'est des pièces uniques, cette pièce-là. Personne d'autre ne l'aura. Vous pourrez trouver des pièces similaires, mais cette pièce-là, c'est vraiment une pépite. Voilà, elle est absolument magnifique. Et voilà, c'est une petite fierté. Voilà, on aime bien proposer ce genre de choses. Ouais. C'est très classique. C'est très simple, mais c'est toujours efficace. Et avec ça, vous vous trompez pas et vous faites des looks. Et avec ce genre de blouse, vous cartonnez toujours. C'est-à-dire, vous allez dans la rue, on dit « Ah, on va vous arrêter. » Vous demandez « Ah, elle vient d'où cette blouse ?»« Ah, oh là là, cette blouse est magnifique. Vous l'avez achetée où ?»« Ah, ben, c'est vintage. Ouais. » Désolée, c'est vintage. Pièce unique. Pièce et là, unique. Vous serez la seule. Voilà, vous ferez des looks uniques avec ce type de pièce. Et en 5, pareil. Une autre valeur sûre, c'est le jean. Alors, qu'il soit Levi's ou pas, mais la plupart du temps, c'est des Levi's. Le jean, c'est une pièce, c'est pareil, ça fait partie des basiques. Oui. Et avec un jean, on se trompe pas. Les mensurations sont précisées, surtout avec le Levi's. Vous pourrez déjà connaître votre taille à l'avance. Donc, pareil, le Levi's, le jean vintage pour faire des looks au top. C'est vraiment la pièce phare du dressing. Nous, c'est ce qu'on aime le plus en vintage. C'est le jean. C'est vraiment l'uniforme. C'est vraiment la pièce que vous allez retrouver déjà chez nous, chez TFT Vintage Shop, et que vous pouvez retrouver aussi dans n'importe quelle boutique vintage ou friperie. Mais là, actuellement, je suis en full denim. Full denim. Je peux même te lever. Pour voilà, j'ai ma petite... si vous allez... Voilà, non, je ne sais pas. Voilà, j'ai mon petit Levi's. Ouais. Et j'ai ma petite chemise... chemise en jean et voilà, je suis en full denim et le denim c'est vraiment une pièce que qu'on retrouve beaucoup. C'est une pièce que nous on aime porter, que on est accro au jean. Au jean, et c'est une matière dont on ne peut pas se passer. Ce n'est pas possible de ne pas avoir un jean. Moi, tous mes looks sont constitués de jean quasiment. Oui. Et le jean, c'est la vie. Le jean, c'est le jean. Le jean, c'est le jean. Et c'est une matière qui est au top. Et c'est vraiment l'intemporel des intemporels. Et on adore porter du jean.
En 6, vous avez tout ce qui est veste en cuir, perfecto en cuir. Donc ça aussi, ça fait partie des incontournables, ça fait partie des pièces qui sont intemporelles. Et là, vous avez un magnifique perfecto en cuir frangé. Ouais. Alors ça, c'est le petit détail mode. C'est le petit détail qui fait la différence et ce perfecto est magnifique. Il est top. Il est pépite, c'est une pépite. Et trésor hein, qu'on a mis en vente sur la boutique. Oui. Bon, ce fameux perfecto. Oui, ce perfecto en cuir est toujours disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. En tout cas, c'est des choses que vous allez trouver régulièrement et facilement. Dans les boutiques vintage, voilà, c'est des choses. Vous allez dans n'importe quelle boutique, enfin en ligne en tout cas, parce que là on parle de vintage en ligne. Vous allez trouver ce type de pièces, blouson en cuir, perfecto, voilà, tout ce qui est cuir, vous êtes sûr de trouver. Et pour la pièce numéro 7, ben toujours dans le cuir, et là c'est le pantalon en cuir. Ah. Et je vais mettre ça en grand pour que vous puissiez voir, parce que là l'image elle est un petit peu... Ouais, moi je sais pas, c'est un peu coupé le truc. Bon, c'est pas grave. Donc le pantalon en cuir, donc au même titre que le perfecto en cuir, ça vraiment ça a fait un boom. Tout le monde en ce moment met des pantalons en cuir. Donc il y a la tendance qui a été recopiée aussi en fast fashion plus sur du simili cuir. Mm-hmm. Et là en vintage, vous aurez vraiment les pièces en vrai cuir. Et le pantalon en cuir, c'est devenu une pièce à intégrer, un nouveau basique à avoir dans sa garde-robe pour se faire des looks un peu plus peps, des looks un peu plus rock, des looks un peu plus sexy, je dirais, oui. Oui, ça fait la différence parce que c'est du cuir et un pantalon en cuir, c'est une très bonne alternative à un jean. Vous en avez marre de porter votre jean, vous mettez un petit pantalon en cuir et tout de suite, ça élève votre look, ça élève votre style et ça donne un petit plus, c'est un peu plus pointu. Et le pantalon en cuir, c'est vraiment une valeur sûre. Et c'est quelque chose que vous allez trouver régulièrement dans les boutiques, dans les e-shops, voilà, en ligne. Régulièrement et puis, facilement. Hein. Et facilement, ouais. Alors, et pour terminer... Oui, c'est 8 pièces, ouais. Voilà. Et pour terminer, on a les accessoires. Donc, comme on vous le disait, les accessoires, c'est vraiment des choses faciles, des petites pièces que vous allez pouvoir retrouver régulièrement dans les boutiques vintage ou friperies en ligne. Donc, à savoir la ceinture. Donc, ça, c'est vraiment un élément simple et facile parce que la ceinture, au niveau de la taille, vous pouvez pas vous tromper. Si elle est un peu trop grande, vous pourrez toujours faire des trous en plus pour la réajuster à votre taille. La ceinture, c'est vraiment un élément simple et un accessoire à avoir dans sa garde-robe. Et vous avez aussi dans la même lignée des accessoires, vous avez les bijoux. Donc des bijoux aussi, c'est facile à accessoiriser. Vous pouvez avoir des clips, là, une paire de petites boucles d'oreilles qu'on vous a mis l'écran. Ça peut être des colliers, ça peut être des broches, comme le cadeau qu'on va vous faire gagner pour notre jeu concours. Donc, ça peut être toutes sortes de bijoux, de pièces comme ça, donc de la fantaisie, très facile à avoir, très accessible. Et là-dessus, vous pouvez vraiment pas vous planter parce que c'est des petites pièces et c'est vraiment des valeurs sûres quand vous chopez du vintage en ligne. Et puis, en dernier, on vous a mis un petit sac et le sac, c'est vraiment un accessoire facile, tendance, que vous allez pouvoir accessoiriser avec toutes vos tenues. Et il n'y a aucun risque avec un sac. Il n'y a pas d'histoire de « Ah, c'est pas ma taille. » Vous prenez le sac, il vous plaît, vous le prenez et il n'y aura pas de problème au niveau de la taille. Oui. Donc, tous ces petits détails-là, on a voulu vous en faire part. Peut-être que vous utilisez aussi des astuces. Vous faites attention à ce genre de choses. Oui. Voilà, c'est comme ça que nous, en tant que... en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur dans le e-commerce, on procède pour choisir nos vêtements, parce que ça nous arrive de choisir les vêtements en ligne pour la boutique. Oui. Et nous, on les chope aussi de manière, on va en présentiel dans différents endroits, et on les achète aussi en ligne. Et c'est comme ça qu'on procède pour acheter de manière plus sereine,
et on va dire plus professionnel, aller droit au but et connaître les meilleurs sites où acheter en ligne. Ouais, et puis dans la vie de tous les jours, oui, hein, à titre personnel, c'est vraiment des conseils qu'on suit au quotidien. C'est vraiment comme ça que ça nous a permis de se dire, bon bah on limite la casse quand on achète en ligne, on minimise les risques et on regarde voilà toutes ces petites choses. Donc pour nous, c'était vraiment sympa de faire cette compilation d'astuces, parce que on nous demande comment on fait, comment ça se passe, comment on fait pour choisir ses vêtements, le vintage, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? Non, il faut juste se lancer. Vintage, c'est très facile, c'est abordable et l'expérience shopping sur un site, elle peut être vraiment très agréable. Ouais. Quand voilà, quand on sait sur quel site on va et quand vous voyez des belles pièces, quand le site il est bien achalandé, qu'il y a des jolis visuels, ça donne automatiquement envie d'acheter voilà ce type de pièce. Surtout quand on sait vers quelle pièce se tourner vraiment rapidement. Ça évite de tourner en rond. Comme des fois une vraie boutique physique, on sait pas trop ce qu'on veut, on tourne en rond et puis du coup on galère un peu, alors que quand on sait vraiment ce qu'on veut, et ben on va droit au but et on évite de s'éparpiller à gauche et à droite. Et voilà, là je vois qu'il y a un peu plus de monde sur le live. Donc on va remettre, on va pour celles qui n'étaient pas là. Ah oui, je vais remettre loupé le début, mes petits slides. Alors, attendez, ça, c'est la technique. Partager l'écran, screen. On espère que ce qu'on vous a proposé, les astuces qu'on vous a, dont on vous a fait part, ça vous parle et que c'était intéressant pour vous. Et voilà. N'hésitez pas à nous mettre vos petits commentaires. On a encore quelques minutes à disposition, donc partagez-nous tout ça. Donc, on vous rappelle qu'il y a un jeu concours et qu'il y a 3 lots à gagner. Ouais. Donc, le petit lot 1, c'est un sac vintage bimatière. Voilà, un petit en cuir qui est vraiment sympa, très belle, avec la petite chaînette dorée. Donc, ce magnifique sac, le lot 1 d'une valeur de 45€ est à gagner dans notre jeu concours qui commencera, là on vous donne l'info en exclusivité, mais le jeu concours il va commencer dès demain matin. Voilà. Ça sera posté sur Instagram. Donc on vous présente déjà les lots, donc ce sac, magnifique lot, sac, une valeur de 45€, donc un sac en cuir bimatière. Donc c'est c'est du cuir. Du cuir avec du velours. Ouais. Voilà, avec une petite chaîne dorée. Un sac super sympa. On enchaîne avec ce petit porte-monnaie Python. Un Python. Sympa, imprimé, animalier, en cuir. Il est vraiment, voilà, je l'ouvre. Il est vraiment mignon. Parfait pour entrer dans le sac. Et donc ce petit porte-monnaie, il a une valeur de 35€. Et le troisième lot à gagner, alors il s'agit d'une broche, voilà, une petite broche en forme de palme, oui, comme un peu la palme d'or de Cannes. la palme d'or de Cannes, tout à fait. C'est ça. Un peu ça. Donc avec ça, vous allez briller de mille feux. Donc je vais vous mettre le petit slide au niveau pour les dates. Donc je vais les rappeler brièvement et le petit slide va défiler en attendant. Donc, le jeu concours, il va commencer dès demain, samedi 31 juillet, et il se terminera le samedi 7 août. C'est le jour où on va tirer également le gagnant au sort, que nous préviendrons directement par message privé sur Instagram. Donc, pour participer, c'est tout simple. Vous likez la photo, vous vous abonnez à nos deux comptes, oui. Et à nos deux comptes, donc @thefashiontrusty et TFT Vintage Shop. Vous commentez la publication et vous taguez deux amis. Et tu peux aussi partager en story pour doubler tes chances de gagner. Et donc, tu seras tiré au sort le samedi 7 août. Et le samedi 7 août à 14h, et la gagnante ou le gagnant sera prévenu par un message privé. Ouais. Donc,
Ça, c'est l'exclu du jeu concours. Et du coup, ce que je voulais rajouter, c'était, ben voilà, nous, quand on s'est dit qu'on allait faire le jeu concours, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait offrir qui pourrait aller à n'importe qui et qui pourrait plaire à n'importe qui sans risque? Oui. Eh ben, on s'est dit, des accessoires. Oui, parce des accessoires. Des vêtements, c'est plus compliqué. Il faut connaître la taille, il faut que la personne sache sa taille, etc. Donc, on se dit, ça allait être plus compliqué. Donc, pareil, nous aussi, on a suivi nos astuces pour le vintage à choper en ligne. On s'est dit, les accessoires, ce sera la valeur sûre. Et donc, le sac, le porte-monnaie et la broche, on s'est dit, bah banco, ça ira forcément à tout le monde. Donc, comme c'est l'exclu du jour, donc le, je ne sais pas si on vous l'a dit, le concours, il commence demain à... Oui, on l'a déjà ah dit. D'accord. Ouais. Okay, on l'a déjà bon. Dit. Il y avait le petit slide. D'accord. Tout a été dit. Donc, ah oui, on avait une autre info exclusive par rapport à la newsletter. Par rapport à la newsletter, oui. Donc, on a créé un groupe privé. Dans ce groupe, en vous abonnant, en fait, c'est sous système de newsletter, en vous abonnant, vous allez recevoir. Alors, je vais mettre le petit slide. Ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, de vous créer du contenu exclusif. Et on s'est dit, eh bien, on aimerait que vous rentriez toutes dans le club, que vous vous syndiquiez au Fashion Trustee, le syndicat de la mode. Et pour ça, c'est vraiment très simple. Tu t'abonnes à notre newsletter. Donc, tu inscris ton prénom et ton adresse mail et nous t'enverrons après cette inscription au club privé, un club exclusif. Donc, c'est les emails secrets de Nadine et Nadège. Donc, voilà. On va t'envoyer chaque semaine, tu recevras du contenu exclusif, donc comme des articles, des vidéos, des fashion newsletters. Tu vas recevoir du conseil en style et toutes les astuces, toutes nos actus, pardon, en avant-première. Et tu seras informé de chaque événement avant tout le monde, donc que ce soit un live, un webinaire, une formation ou autre, on vous enverra toutes les infos en exclusivité, rien que pour vous, parce que vous ferez partie du syndicat de la mode. Oui, on vous conseille de vous syndiquer. Ouais. Et bah, ça sera, comment dire, ça sera aussi une nouvelle façon de pouvoir communiquer avec vous par mail. Voilà, on pourra échanger. On pourra, oui, vous serez prévenu des exclus en avant. Vous serez. On est de retour. Ah, oh, désolé. Alors, désolé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une coupure, mais voilà, on ne vous a pas perdu. Vous êtes toujours là. Donc, voilà, pour terminer. Ça nous a fait peur. Hein. Moi, ça m'a fait flipper. Je dis, oh mince. On a perdu tout le monde. Voilà. Bah, on était en train de parler du club, les emails privés de Nadine et Nadège. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien. Dans le chat. La fameuse newsletter. De la fameuse newsletter. Ouais, on l'a même mis deux fois, je crois. Non, parce qu'en fait, là, c'est Facebook et... Ah, d'accord. Donc, voilà. Ah, j'ai peur. Donc, vous êtes toujours là. Donc, c'est cool. On va prendre un petit temps, si vous avez envie de discuter, de nous dire, ben voilà,
nous faire des retours par rapport à tous ces conseils qu'on vous a donnés. Est-ce que vous, ça vous arrive de les appliquer? Peut-être vous les appliquez déjà, ou peut-être que vous en avez d'autres que nous ne connaissons pas. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous aviez d'autres questions par rapport soit à la newsletter, par rapport au jeu concours, ou même sur notre e-shop, vous pouvez nous poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Alors, timide. En tout cas, voilà, toutes les infos dont on vous a parlé, bah, c'est dans la barre de description aussi. Si y a des petites choses qu'on n'a pas mis dans le chat. Donc voilà. Donc ça fait. Ah, ça fait 45 minutes. Oui, qu'on est ensemble. On est ensemble. Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des gens connectés aussi sur Facebook. Ouais. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Hein, et à dire tout ça. Pour tous on a vu qu'il y avait des petits likes et tout. Donc, merci pour vos petits likes. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Autour de vous les lives, de partager les lives. Et surtout, on s'adresse aussi à ceux qui vont regarder ça en replay. Ben, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous dire aussi comment vous avez apprécié le replay, ce que voilà, des choses comme ça, comment vous faites, est-ce que vous avez peut-être des petites astuces à nous donner, on ne sait pas. Donc, essayez de communiquer avec nous comme ça, et voilà, la team replay, on vous soutient, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, et voilà. Oui, commenter, oui, partager, liker. Ah, ta maman apprécie la vidéo. Bah, franchement, c'est cool. Cool. Vraiment, merci. Ah, c'est bien. C'est super. Merci, Noémie. Et tu devrais demander à ta maman, Noémie, si elle a des fringues vintage qu'elle a gardées de l'époque. Ça se trouve, tu vas trouver des petites pépites. Hein. Demande à ta maman si elle peut te passer toutes ces fringues vintage, ça peut être super sympa. En tout cas, merci. Hein. Ah, merci, Noémie. On espère que tu vas faire partie du club. Hein. Oui. Tu as tous les liens. Tu n'as plus d'excuses. Tu peux t'abonner. Donc, voilà. Donc, oui, c'était c'est un petit moment comme ça passé avec vous. Plus de 45 minutes. Ouais. Donc, c'est hyper sympa. C'est hyper cool. Ah, elle en a. Elle en a. Ben, voilà. Bonsoir. Alors, bonsoir, Tia. Hello. Salut. Bah, merci pour ta présence. Ouais. Merci d'être là. J'espère que ça t'a plu. Tu peux nous dire oui. Ah, toi, tu es en live sur YouTube. Ah, God Divine. Ben, salut. Divine. Ah, salut. Ça faisait un moment. Oui. Contente de te revoir. Inspirante comme d'habitude. On se retrouve le lien. Ah, cool. Voilà. Bah, on se trouve le lien. On l'a mis dans le chat, mais on va le remettre. Ah, bah, c'est cool, ça. Ouais. On va le remettre. Et ben, contente que tu puisses faire partie du club. On est vraiment contente de vous avoir ce soir là avec nous. Mais oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous entendre, de pouvoir discuter. C'est cool. Alors. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Non, pas pour le moment. Donc, ouais, n'hésitez pas. Et oui, parce que finalement, on est en live direct, sur nos trois plateformes. Donc, sur Facebook, The Fashion Trustee, Facebook, TFT Vintage Shop. Et on est en direct sur YouTube. Donc, vous pouvez nous suivre un peu partout. Et donc, le lien est là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On peut faire un temps de, questions-réponses. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment de nous les poser. Peut-être des idées de look ou je ne sais pas, au niveau du vintage. Est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport au live? On pourrait discuter aussi du prochain thème pour le prochain live. Ça peut être sympa aussi. Si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, vraiment pas de souci. Nous, on est ouverte
aux propositions. En tout cas, on espère que vous passez des bonnes vacances, hein, parce que c'est vrai qu'on est en plein été. Hein. En plein été. Ah, eh ben oui. Alors bon, alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, se voir en présentiel comme ça, de créer un petit événement. Bon, après là, en ce moment, avec les trucs de Covid et compagnie, bon. En quoi que maintenant, c'est les masques, hein. Tout le monde met les masques vrai, un peu partout. Vrai. Donc c'est vrai que oui, ça serait pas mal, hein. Ce serait pas mal. En tout cas, on garde ça en tête et ce serait vraiment sympa de faire un événement en présentiel pour qu'on puisse tous se voir, faire un atelier. On va penser à ça, oui, sous forme d'atelier. Après, ça peut être sous avec un petit comité, mais c'est sûr que ça serait bien de vous voir. Et du coup, toi, God Divine, t'es dans quel coin, toi? T'es en région parisienne, à Paris? Et on a une autre question, oui, juste là, de Tia Dia. Acheter du vintage en ligne est difficile pour elle, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Acheter du vintage en ligne, ça peut être, comment dire, un peu plus difficile que acheter des vêtements en ligne, enfin les vêtements basiques, style Zara et compagnie. C'est vrai, il y a un petit coup de main à prendre, mais en suivant justement les petits conseils qu'on t'a donnés, et surtout, il faut se lancer. Quand on a une envie, on se dit oui, acheter vintage en ligne, c'est quelque chose que tu as envie de faire, et bien à ce moment-là, tu te lances et tu commences par le conseil qu'on t'a donné, te dire, je vais commencer par des petits accessoires, des petites choses comme ça où tu dis, là, je ne risque rien. Et tu te lances, tu trouves le bon site, donc t'en as pas mal, et puis tu as notamment notre site. Et tu n'hésites pas aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dit, mais n'hésitez pas à suivre le compte Instagram, par exemple, du site que vous suivez en ligne sur lequel vous souhaitez faire des achats. N'hésitez pas à discuter avec les personnes qui sont gérantes du site. Ouais, du site, ceux qui gèrent le site, le service client. N'hésitez pas à poser des questions. Quand vous voyez un vêtement, c'est ce qui s'est passé ce matin. Une fille... Ah, Belgique ! Ah, t'es en Belgique, ah, bien cool. Une fille, justement, une de nos clientes qui avait déjà acheté dans la boutique, qui se posait une question sur un trench qu'elle avait vu et elle avait se demandé si ça allait être à sa taille ou pas. Un doute. Elle nous a envoyé un message privé sur Instagram avec la photo et on lui a répondu tout de suite. On l'a orientée et voilà. Et surtout, nous, ce qu'on fait aussi, ce qu'on aime bien faire sur notre site, c'est aussi, on aime bien, par rapport à notre e-shop, on aime bien sur IGTV, je ne sais pas si vous suivez IGTV, on aime bien faire des présentations de nos articles. Ouais. On aime bien créer des looks aussi en IGTV. Donc, ça permet aussi à nos clientes, à celles qui nous suivent, de voir un peu comment le vêtement est, comment le vêtement bouge et surtout si comment il taille. Et là, on y va plus dans les détails parce qu'on essaye les vêtements, on crée des looks, on présente les articles. Et on conseille vraiment les clientes sur IGTV. Donc, c'est une nouvelle façon de communiquer. Ouais. C'est une nouvelle façon de faire. Mais il y a aussi ça que vous pouvez aussi checker par rapport au site de vêtements en ligne vintage. Allez voir dans leur communauté Instagram, Facebook. Il y en a qui font des lives. Il y en a même qui font des shopping lives en direct. Et ça vous permet aussi de voir comment les vêtements sont, comment les vêtements vivent et de vous donner une idée et de voir les choses un peu plus dans le détail. Dans le détail, en fait. Voilà. Et après, c'est sûr que quand les vêtements sont bien détaillés, vous avez une belle photo et que les mesures sont inscrites, il y a moins de risques, tu tentes. Si c'est pas ta taille, ou si ça va pas, tant pis, tu retournes. C'est un peu comme ce qu'on fait quand vous commandez chez Zara ou Mango, hein. Des fois, ça tombe pas juste, hein, vous ou même sur Asos. Moi, plusieurs fois, j'ai commandé sur Asos. Et parfois, c'est vrai que j'étais déçue. Mais comme les retours sont faciles, donc ça limite un peu la casse, même si tu es déçue par un article. Si tu sais que tu peux le retourner sans problème, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Parce que moi, dernièrement, j'ai commandé chez Zara. Je suis pas allée en boutique. Hein. J'ai pris le réflexe de commander directement en ligne. J'ai commandé. Il y avait un ou deux articles qui n'allaient pas. Bon, tant pis, on a retourné, puis c'est pas grave. Ouais. Voilà, faut tester. Il n'y a que comme ça, après, que tu vas aussi affûter
ton œil, tu vas pouvoir reconnaître si tout de suite ça va t'aller ou pas, et voilà, voir. En testant, oui. En testant. Voilà, il faut tester. Mais lance-toi. Commence par des accessoires. Commence par des accessoires, ouais. Ah ben donc c'est cool, hein, pouvoir discuter comme ça, c'est sympa. S'il y a d'autres questions, on y répond. En tout cas, ben c'est cool la Belgique, hein. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller en Belgique. On a voulu y aller, mais après avec voilà toutes ces histoires de COVID, là, on n'a pas pu y aller. C'est vrai qu'à la Belgique, on aimerait vraiment bien y aller, ouais. En plus, il y a plein de boutiques vintage là-bas. Hein. Oui. Ouais. On mange bien aussi. Hein. Ouais, on mange bien aussi. Hein. Des bonnes frites. En Belgique. Avec une bonne bière. Ok, ouais. La Belgique, ça peut être sympa aussi. Donc, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on peut préciser au niveau du vintage? Ah oui, merci. Alors, ouais, on va le montrer. Comment. On a un autre commentaire qui vient. J'ai pas pris le live en direct. Je commencerai par les. Ah oui. Voilà. Commence par les accessoires. C'est vraiment la valeur sûre et tu vas pas te tromper. Tu comme vas ça. Pas te tromper, ouais. Ouais. Et puis, ben justement, si vous voulez gagner des accessoires, participez au jeu concours qui va commencer demain. Donc, c'est des petits accessoires à gagner. Ben là, tu risques rien. Oui. Il y a le sac, le porte-monnaie en lot 2 et la broche en lot 3. Voilà, tu peux gagner un de ces trois lots et voilà, des petits accessoires et te faire une idée des produits, faire une idée. Mais en même temps, ça te permet aussi de faire une expérience client sur un shop sur lequel tu n'as pas commandé, le nôtre, avec à travers ce jeu concours. Tu peux aussi voilà donner ton expérience client par rapport à ce jeu concours et te faire une idée de nos produits, de notre manière de faire. Ouais, ça peut voilà. être aussi intéressant. Ça peut être aussi intéressant. Et donc, là, on a une question de Godivan qui nous dit « Certains looks de pantalon corps vintage sont top, mais je trouve que ça grossit la silhouette. J'ai acheté deux pantalons simili-cuir et c'est différent. Qu'en pensez-vous ?» C'est vrai. C'est une question de coupe. C'est une question de coupe. Et c'est vrai que le pantalon en cuir, bah, c'est une matière qui est quand même assez épaisse. Assez épaisse, donc ça a tendance à grossir. Après, tu veux continuer ? Non, vas-y. Après, en fait, il faut trouver la bonne coupe. Oui. Moi, je trouve que par rapport au pantalon en cuir, si tu as des formes, moi, je te conseille de prendre pantalon en cuir taille haute, coupe droite. Mm. C'est quelque chose que moi, je trouve qui va mieux t'affiner la silhouette que de prendre un pantalon en cuir un peu coupe cigarette. Ça aura tendance à marquer un peu. Et moi, je pense que taille haute et coupe droite, c'est la meilleure alternative. Voilà, quand on n'a pas envie que le pantalon nous grossit, parce que voilà, c'est vrai que quand si tu as des jambes qui sont très très fines, tant mieux, mais c'est vrai que les pantalons comme ça, ils ont tendance à grossir. Et oui, on peut essayer aussi, tu peux trouver aussi une astuce, c'est essayer de trouver un pantalon en cuir, des fois avec un cuir qui est plus fin. Voilà, qui est parfois, plus fin. Parfois, les cuirs, ils sont sont épais et assez dur, mais si tu trouves un cuir assez fin et plutôt souple, ça matchera peut-être un peu plus. Ouais. Et le prendre vraiment le plus simple possible, simple. Une coupe droite simple, sans trop de fronces. Donc c'est vraiment, c'est comme trouver son jean 501, le meilleur jean du monde. Il faut tester, et c'est vrai que c'est une question de coupe et que c'est une question de coupe. Il faut tester. Faut tester, ouais, et peut-être le prendre une taille au-dessus aussi pour te sentir un peu plus. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre, faut le surtailler pour que. Moi, je préfère en tout cas parce que c'est sûr que le pantalon en cuir pour être bien à l'aise dedans, il faut prendre une taille au-dessus. Pour pas que ça tire entre les jambes ou quoi. Donc, peut-être prendre une taille au-dessus. Faut ne pas hésiter à prendre une taille au-dessus. C'est une matière vivante, donc ça bouge. Ouais. Donc, du coup, bah, il faut le faire, le pantalon, en fait. Ouais. Quand tu prends un cuir qui est assez, assez rigide, il faut pouvoir le faire. Et des fois, tu peux mettre un peu de temps à te sentir à l'aise dans le pantalon en cuir. Nous, on te conseille de prendre un cuir d'agneau souple. Oui. Oversize, avec une petite taille haute. Et peut-être éviter les poches latérales. Tout va dépendre de comment tu es au niveau des hanches. Des fronces, éviter peut-être les fronces aussi autour de les pinces. Tout va dépendre un peu de ta morphologie. Mais si tu as une morphologie, avoir un peu de forme, évite un peu les fronces, évite un peu les pinces. Comme ça, coupe droite, ça fit bien en fait. Ouais.
avec un petit t-shirt, une petite blouse. C'est le pantalon en cuir, c'est notre nouveau jean en fait. Ouais. Hein. C'est vraiment à tester le pantalon en cuir. Et quand on a trouvé son pantalon, alors là, c'est vraiment... c'est la fiesta, quoi. Après, tu vas plus le quitter. Tu vas plus quitter ton pantalon en cuir. Donc, qu'est-ce qu'on disait d'autre ? Ah, du coup, il y a encore une autre réponse, là. Ouais. Alors, en parlant de pantalon en cuir, grâce à une de vos vidéos, j'en ai trouvé un taille haute cuir souple à 5€ dans une boutique vintage. Ben voilà. Ben voilà. Parfait. Parfait. Mais oui, ça, c'est vraiment le top. Hein. Ça, c'est le top. Hein. Trouver des petites pépites comme ça en cuir à 5€, mmh. Bah oui, hein, tu fonces. Tu fonces et c'est bien. Hein. Et le pantalon en cuir, c'est vraiment une très, très bonne valeur. Hein. Mmh. Surtout en vintage, c'est des pantalons qui coûtent un peu plus cher. Là, tu l'as eu à 5€. Franchement, ça fait une très, très, très bonne affaire. Une très bonne affaire. Alors, tu dis, par contre, les prix vintage sur Internet et boutique, c'est pas du tout les mêmes. Oui, c'est vrai. Parce que... Alors, du coup, tu es allée dans quelle boutique ? C'était quoi le nom de ta boutique ? Parce que en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Parce que c'est vrai que le vintage, de manière générale, ce sera toujours plus cher que les vêtements de fripe. Après, la différence, elle se fait dans les boutiques, c'est-à-dire que est-ce que c'est une boutique 100% vintage ? Voilà. Ou alors, c'est une boutique de type friperie où il y a un peu de tout. Guérissol. C'est ça. Voilà, parce que Guérissol, on va donner l'exemple de Guérissol. Guérissol, c'est fourre-tout. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des trucs en lot. Il y aura du bon, du moins bon et du, pas bon du et tout. Du pas bon du tout. Donc, tout ça, c'est un melting pot qui ils achètent en masse et ils le mettent dans leur magasin. Mais il n'y a pas de tri qui est fait. Il y a pas, c'est pas lavé. Oui. C'est pas repassé. C'est pas des pièces qui sont triées sur le volet. C'est tout est dans des bacs. Dans des portants. Il faut fouiller. C'est pas prêt à l'emploi, en fait. Voilà. C'est pas prêt à porter. Alors que quand tu vas dans des boutiques vintage qui sont calibrées avec un petit concept store, donc tout est nettoyé. Voilà. C'est propre. C'est calibré, c'est tout de suite les vêtements qui sont dans la tendance, c'est bien rangé. Donc là, tu peux les porter tout de suite. Tu peux les porter tout de suite. Et donc il y a quand même, on va dire, un tout un concept autour et que c'est vrai que c'est bien achalandé, c'est bien présenté. Mais il y a une sélection plus pointue qui a été faite en amont. Voilà. Et la qualité est quand même meilleure. Oui. Donc oui, en friperie, tu peux trouver. Du vintage, pas très cher, mais c'est vrai que ça va te prendre du temps pour chercher, pour trouver parmi toute la masse de vêtements qui sont proposés en friperie, où tu auras vraiment de tout et entre guillemets de tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est à toi d'aller de faire la chercheuse, tête chercheuse, et d'aller fouiller pour trouver ta pépite, bah comme tu l'as trouvée à 5€. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Il y a une différence de prix. Et que et parce que c'est une différence de qualité aussi, ouais. Et c'est une différence aussi de ce qu'on te propose et comment on te le propose, en fait l'espèce de packaging dans les bonnes boutiques de vintage où tout est calibré, tout est tendance, c'est propre, c'est beau, c'est bien conceptualisé et la qualité est là et donc tu peux acheter les yeux fermés et tu prends le pantalon, tu l'essayes et puis tu peux repartir avec. Tu n'auras pas et tu n'auras pas comment dire de mésaventures. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Ouais. Et c'est vrai que des fois, quand tu vas dans les friperies, les gros trucs comme ça, genre Guérissol et compagnie, souvent bah le vêtement, bah déjà oui, faut le remettre un peu bien. Ouais. Des fois, il va falloir aussi le reprendre parce que des fois, il va te manquer un bouton, il va te manquer un truc. Des fois, ils te vendent aussi des vêtements qui peuvent être aussi déchirés, abîmés. Donc, c'est à toi, au moment où tu fais l'achat, d'avoir conscience que, ah oui, le truc, il est déchiré, même s'il m'a coûté 2€, je l'achète, je vais le remasteriser. Et voilà. Mais, et surtout dans ces boutiques-là, c'est, t'as aucun échange possible. Tu l'achètes et tu pars avec. Voilà. Après, si t'es quelqu'un, parce que des fois, ça arrive, on achète le vêtement, mais on l'essaye pas tout de suite. Et c'est à la maison, quand on revient, bah, hop,
on essaye le truc et au final, on se rend compte que dans le détail, ça va pas. Soit parce que le vêtement, il est abîmé ou elle est trop petite. Et puis du coup, ben, oui, mais ça nous tu te retrouves avec une pièce sur les bras. Mais ça nous, ça nous est déjà arrivé, même des fois, de confondre, d'être dans l'euphorie, on trouve une pépite. Ouais. Mais finalement, c'est pas regardant de plus près, c'était même pas du vintage. Ou c'est vraiment pas la pépite qu'on imaginait. Et voilà, parce que il y a des fois, ça arrive, on se trompe. Et on confond les pièces et on a acheté un truc alors qu'on croyait que c'était vraiment 100% vintage. On revient à la maison. Ah, on regarde en détail. On est là. Ah, mais non, finalement ceci. Bon, bah, c'est pas grave. Mais la différence, elle se fait, bah oui, dans les détails. Mmh. Et comment l'enseigne, elle fait son, Son branding. Son branding par rapport à ça. Soit c'est fourre-tout ou soit c'est hyper pointu. Donc, quand c'est hyper pointu, c'est 100% vintage et c'est un peu plus cher. Donc, on avait une autre question. Quels sont vos conseils pour acheter des sacs vintage de luxe, comme par exemple le célèbre Louis Vuitton sur le net, et quels sont les sites que vous recommandez? Alors, ça, vraiment, le luxe en ligne, il faut vraiment faire hyper gaffe. C'est là où il faut... Là, c'est pas possible d'aller acheter au hasard comme ça sur des sites. Il faut aller dans les sites... des valeurs sûres. N'allez pas dans des sites que vous ne connaissez pas ou qui n'ont pas pignon sur rue parce que là, c'est sûr que ça peut être l'arnaque. Pas toujours, mais ça peut être l'arnaque parce que là, on parle quand même de choses qui sont griffées et c'est sûr que sur Internet, quand on n'est pas sûr où on va, il faut savoir où on va. Moi, il y a un site que je connais qui est pas mal, qui est pas mal, c'est Valois Vintage. Oui, pour tout ce qui est luxe. Pour tout ce qui est luxe, Valois Vintage. Alors attends, je regarde comment ça s'écrit. Comme ça, on va le mettre dans le chat. On va le mettre dans le chat. C'est vraiment, c'est une valeur sûre. Pour acheter du luxe. Pour acheter du luxe. Après, nous aussi, sur notre site, on a du luxe, mais on n'en a pas, à foison. On a quelques petites pièces de luxe. Mais c'est vrai que il faut vraiment, on va dire, être, ils ont même un site internet, je crois. Oui, ils ont un site. Valois Vintage Paris, valeur sûre. Tu trouveras des pièces. Et en même temps aussi, on te conseille de connaître, de connaître comment on reconnaît des vraies pièces de grandes marques. Parce que c'est toujours ça, pour éviter de te faire avoir, pour éviter de te faire arnaquer et d'être déçu. C'est bien aussi de savoir comment reconnaître tel ou tel truc. Un vrai Vuitton d'info. C'est bien aussi de savoir sur un site internet ou quel point regarder. C'est-à-dire qu'on va te montrer l'étiquette, on va te montrer la photo, le logo. L'étiquette sous vraiment dans les détails. Il faut vraiment que tout soit détaillé, que les photos soient vraiment très lisibles et que tu vas pouvoir regarder, te dire, ah ben voilà, ça a été fabriqué dans tel endroit. Il y a les points de... Là, je te donne un exemple. Nous, sur notre site, on vend un cardigan Chanel. Oui. Cardigan Chanel. Et tu as plusieurs points à vérifier pour voir si c'est un vrai ou un faux Chanel. Tu dois vérifier les boutons. Il y a une particularité au niveau des boutons. Tu dois vérifier au niveau... en bas du cardigan, il y a un petit comment on appelle ça un poisson non de un truc qui a été gravé. Oui. Voilà les sigles qui a été gravé à un certain endroit. Ça tu dois vérifier. Il y a aussi l'étiquette que tu dois vérifier et tu as aussi des fois des numéros de série. Donc c'est tous ces petits points là qu'il faut vérifier, que surtout quand c'est des marques de luxe, pour éviter de te faire arnaquer, de te faire avoir. Et ça, c'est hyper... Là, il faut s'y reprendre. Ne n'achète pas tout de suite comme ça, les yeux fermés. Mais en tout cas, sur Valois Vintage... Valois Vintage, ouais. C'est une valeur sûre. Là, tu peux y aller... les yeux fermés. Hein. Je te mets le nom dans le chat. Valois Vintage. C'est un dépôt vente. Donc, ils ont une boutique physique et une boutique en ligne. Et eux... ils sont reconnus pour ça. Ils vendent vraiment le luxe. Et eux, là, c'est les yeux fermés. Tu ne te feras pas avoir. Et chez nous non plus, tu ne te feras pas avoir.
Ça nous arrive d'avoir quelques pièces de marque, Yves Saint Laurent, Chanel, des marques comme ça. Donc, on te préviendra quand on aura des pièces un peu plus pointues, un peu plus luxe. En tout cas, nous, sur notre site, on a le coin des créateurs. Ouais. Et c'est là qu'on regroupe toutes les marques vintage, voilà. Toutes les marques griffées sur notre site pour que, bah, voilà, si c'est que les marques qui t'intéressent, bah, tu vas sur notre site, tu vas dans le coin des créateurs. Et là, tu vas retrouver toutes les grandes marques vintage en ligne. Hello! Jenny Shine, salut. Et alors attends. Bah merci à toi God Divine. Et oui, bah justement Vestiaire Collective. Justement, j'étais en train de regarder. Valeurs sûres aussi, parce que eux ils vérifient vraiment. Ils ont un contrôle qualité, ils vérifient. Donc quand tu es sur leur site, tu sais qu'il y a eu un contrôle qualité. Et que tu te feras pas à, tu te feras pas avoir. Avoir. Donc le Vestiaire Collectif aussi pour acheter des griffes, pour acheter de la marque, c'est une valeur sûre. Vraiment une valeur sûre. Après il y a eBay, mais il faut faire attention aussi. Oh bah alors là. Voilà. Moi je m'y risquerais pas. Non, je m'y risquerais pas. eBay. Bon. Et encore moins Vinted. Ah voilà. Alors le bon coin, et encore moins le bon coin, c'est au petit bonheur la chance. Ouais. Oui, tu peux tomber sur des bons vendeurs qui vendent du vrai, et comme des très mauvais vendeurs qui vendent du faux. Donc moi sur ces trucs-là, en tout cas ces deux sites-là, Valois et Vestiaire Collective, là comme tu disais, ouais. Ça c'est vraiment top. Là oui, les yeux fermés. Hein. Ouais, franchement les yeux fermés. Bah merci pour toutes ces questions. Hein. Bah ouais. Vraiment, ça nous a fait plaisir de passer une heure onze ensemble. Ensemble. Et merci à vous. Merci pour votre présence. Ouais. N'hésitez pas à partager. Partager, oui, sur vos groupes, à partager ces vidéos qui ont peut-être pu vous aider, qui pourront aussi aider d'autres personnes, vos amis, vos copines, vos collègues. Ça permet en même temps de faire connaître la chaîne dans d'autres horizons, dans d'autres sphères. Donc, n'hésitez pas, mettez les vidéos sur vos groupes Facebook, sur... vos pages WhatsApp et autres, n'hésitez pas à partager, à donner des bons conseils aussi à vos copines. Oui. En partageant les vidéos, ça peut être vraiment sympa. Et comme ça, pour les prochains lives, on va se retrouver avec différentes personnes et on sera encore plus nombreuses. Et ce sera vraiment cool. Ouais. Donc, on va se retrouver dans... je pense d'ici, une dizaine, quinzaine de jours. De toute façon, on prévient on toujours... sur communauté, oui. Mais aussi pour être sûr d'être prévenu de pas louper les prochains lives ou les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications. Voilà, ouais. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper et d'être prévenu à chaque fois qu'on fait une vidéo et surtout quand on lance un live. Donc, le prochain live dans 15 jours. Donc, de toute façon, on fera l'annonce via l'onglet communauté. Et de quoi allons-nous parler? On va réfléchir. Et en même temps, on vous préviendra aussi en exclusivité si vous vous inscrivez sur le club vous syndiquant. Syndiquez-vous. Et puis, On vous souhaite de passer un bon week-end. On est vendredi soir. On vous souhaite de passer un bon week-end. Et de profiter de ces vacances d'été, de profiter du soleil si vous avez du soleil, oui. Et de profiter de vos proches et de profiter de votre week-end. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain live. Et voilà, on a hâte de vous retrouver et on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. À très vite. Et on va vous laisser avec notre fameux générique. Notre fameux générique. Donc, je vais encore partager l'écran. Et voilà. Je ne sais pas si vous appréciez aussi toute cette technologie qu'on a mis en place. On refera comme ça. C'est plus sympa, c'est plus visuel d'avoir... ça vous permet... C'est plus dynamique. Ouais.
C'est plus dynamique, c'est plus visuel. Et on vous fait de gros bisous. Et on vous dit dans 15 jours. Ciao. Non, je vais pas faire comme ça. Ce sont les aléas G-Direct. Attends, c'est dans quel truc? Voilà. Ah oui, par là. Oui, je vais aller par là, ce sera mieux. Ciao, ciao.